Les compétences des collectivités territoriales. 1. Le département organise et finance les transports scolaires. Attention, c'est la région depuis la loi NOTRe de 2015 sauf transport scolaire des personnes handicapées qui reste compétence départementale. A. Vrai. B. Faux. La compétence principale du département est l'urbanisme. A. Vrai. B. Faux. La compétence principale de la région est la formation professionnelle. A. Vrai. B. Faux. Le schéma régional des transports est une compétence des communes. A. Vrai. B. Faux. Les crèches municipales font partie des compétences obligatoires des communes. A. Vrai. B. Faux. Une commune a l'obligation de mettre en place des espaces verts dans chaque quartier. A. Vrai. B. Faux. Les départements ont l'obligation d'entretenir les routes départementales. A. Vrai. B. Faux. Une commune peut construire et équiper un collège. A. Vrai. B. Faux. Le département gère le revenu de solidarité active, RSA. A. Vrai. B. Faux. Les transports publics hors agglomération sont une compétence des départements. A. Vrai. B. Faux. La région peut aider financièrement une commune à mettre en place un service public. A. Vrai. B. Faux.
Un président de conseil général peut délivrer un permis de construire. A. Vrai. B. Faux. La construction, l'entretien, l'équipement et la rémunération des personnels enseignants des lycées sont une compétence des régions. A. Vrai. B. Faux. L'aide sociale à l'enfance relève du département. A. Vrai. B. Faux. La protection maternelle et infantile, PMI, est une compétence obligatoire des communes. A. Vrai. B. Faux.